Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, savoir pour tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre donc la structure HTML5 qui sera la leçon numéro 8. Avant d'attaquer la structure d'un document HTML5, nous allons voir plusieurs choses. En l'occurrence, les balises div et span qui existent dans les versions HTML4 et HTML5. Une balise div est plus communément appelée une balise de regroupement. La balise div est le conteneur générique par excellence. La balise div va permettre par exemple de regrouper un titre, un paragraphe et une image. Mais voyons cela en exemple. Donc vous pouvez le voir sur la droite où on a un exemple de div qui imbrique donc un titre H2, un, une balise P et une, une balise IMG. Donc vous voyez, c'est vraiment pratique pour pouvoir intégrer tout cela dans un morceau, ce qu'on appelle donc une balise de regroupement très intéressant aussi mais ce qu'on n'a pas encore vu en CSS c'est qu'on pourra euh, carrément mettre un fond à ce niveau là, un cadre et ainsi de suite et c'est ce que vous voyez sur beaucoup de sites internet mais continuons à la différence de la balise div une balise span est spécifiquement dédiée au contenu phrasé comme par exemple pour la balise p on trouve très souvent cette balise avec une classe ou un id à l'intérieur de celle-ci afin de sublimer le mot que l'on veut mettre en valeur là aussi regardons un exemple Bon, là aussi sur la droite vous pouvez voir une balise P, enfin un morceau de paragraphe, on va dire. Et dedans, vous voyez, on a par exemple au niveau de l'orbortis, l'obortis, pardon, on a mis ça entre une balise span et on a dit, tiens, je vais mettre ça en classe jaune. Bah, tout simplement, le mot sera en jaune. Mais on ne pourrait pas faire, on ne pourrait pas attaquer ce mot sans cette balise span, ce ne serait pas possible. Voilà, donc ça, moi, ça me paraissait important de vous expliquer ça avant d'attaquer la structure HTML. Donc avant d'attaquer la structure HTML5, je voulais vous montrer un exemple de structure HTML4 et comment on faisait avec les divs, parce que bien évidemment la div existait déjà en HTML4. Hein. Donc ici vous voyez on a, on a créé des divs, on a donc le header, on a dit simplement c'est un ID header, on a mis ça entre une div et on a mis par exemple le paragraphe, on pourrait mettre une image, un texte, ça aussi vous voyez ça très souvent dans un site internet où il y a un titre. Ensuite vous avez donc le, une autre div, vous avez l'ID menu. Donc là, on mettra, mettons, accueil, galerie, contact, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sections qui sont composées d'articles. Donc vous voyez, on a div classe égale section, div classe égale article, et ainsi de suite. Ce qui permet tout doucement de pouvoir structurer notre site Internet. Donc on a deux classes section. On a aussi une classe intéressante, enfin pas une classe intéressante, une div intéressante pardon qui a l'id aside qui permet très souvent de mettre sur le côté. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure par rapport à, par exemple, un site que j'avais fait sur Blender, enfin que j'ai fait sur Blender, qui vous montre un peu le, le, la même structure que ce que je suis en train de vous expliquer. Et ensuite, on a donc la div footer. Ben, la div footer, c'est tout simplement souvent le copyright qui apparaît en dessous euh, ou d'autres informations, mais bien moins importantes. Voilà, donc ça c'était la structure pour euh, l'HTML 4, sachant que bien évidemment tout ça, euh, on va le voir euh, sur notre éditeur Sublime Test. Dans le cas de la structure HTML 5, bah, comme vous pouvez voir, en fin de compte, les noms que j'ai donnés à mes ID ou à mes classes, on les retrouve maintenant complètement dans des balises. C'est-à-dire que tout à l'heure j'avais marqué ID Header, bah, là vous avez carrément une, une balise qui s'appelle Header. Ensuite, vous avez aussi une balise qui s'appelle nav. Donc vous l'aurez compris, header c'est l'entête et nav, ça sera là où vous mettra le menu. Vous avez aussi une balise section. Donc on a une balise section, on a une balise article. Donc bien évidemment, les articles seront mis à l'intérieur de la balise section. Et ainsi de suite. On peut faire encore plus complexe en HTML5. On peut dire donc on a une balise section. À l'intérieur de cette balise section, on a une balise article. Et à l'intérieur de cette balise article, on peut mettre un header et un footer. Ça permettra vraiment d'être très très précis là où on veut cibler nos éléments euh, afin de les mettre en forme avec le CSS. On rencontre aussi donc la balise Aside, qui va permettre de mettre, comme je vous disais, euh, ça va être du contenu, donc ça va être du contenu annexe, souvent hein, ça va être de la pub, des news. Euh. Et vous avez aussi la balise footer. Donc ce qui est assez intéressant, c'est quand on fait le, le parallèle entre le HTML 4 et le HTML5, c'est que les personnes W3C se sont dit Tiens, euh, beaucoup de gens se sont amusés à créer des ID et des classes avec à chaque fois euh, une div, sachant que la div c'est vraiment une balise un peu fourre-tout, ou c'est une balise de regroupement, mais elle sert à beaucoup de choses. Bah, ils ont tout simplement, pour le HTML5, créé des balises qui portaient le même nom. Comme ça au moins on a pu s'amuser à mettre des divs de partout. Mais voyons cela dans l'éditeur web afin de vous montrer un exemple. Donc nous voici dans l'éditeur web. Comme la dernière fois, on avait vu, on avait donc la page index.html que je vous avais mis en code source. Donc là, vous pouvez retrouver ce qu'on avait fait. Ce que j'ai fait pour l'exercice, c'est que je vous ai créé en enfin compte euh, deux pages HTML qui s'appelleront structure HTML4 et structure HTML5. Mais regardons en premier la structure HTML4. Donc vous voyez, on retrouve bien ce que je vous disais c'est qu'on a bien ici une div avec un header. On a bien voici le contenu du header HTML4. Donc si ici, vous voyez, je vais cliquer ici, voilà. Donc là, évidemment, il n'y a aucune mise en forme. Mais vous inquiétez pas, on verra ça en temps voulu. Ici, on a bien vous voyez, une div classe section, classe article, et ainsi de suite. Donc on fait bien en sorte de décorréler nos articles, nos sections qui seront plus facilement accessibles après par le CSS si on veut les mettre en forme. C'est-à-dire mettre une bordure, mettre de la couleur, mettre une espèce de de shadow, c'est-à-dire un, une ombre sur votre image ou sur votre texte, mais tout ça, vous inquiétez pas, on verra ça ensemble. Donc vous voyez, on a bien le side. Alors là, les questions, les personnes peuvent se poser des questions, mais je ne comprends pas parce que par rapport à ton dessin, euh, le side était bien placé à droite et ainsi de suite. Mais vous avez tout à fait raison, sauf que pour l'instant, on n'a pas vu le placement euh, des balises ou des, des divs, on va dire, carrément des groupes, qui va permettre de mettre à droite, à gauche, en bas, en haut et ainsi de suite. Ça, vous inquiétez pas, on verra ça au fur et à mesure dans le CSS. Et vous verrez que tout doucement, on arrivera à créer un site qui sera aussi beau que ceux qu'on peut voir sur Internet et assez facilement. Si maintenant, je prends la structure HTML5, vous voyez, là, cette fois-ci, alors là, regardez, je vais aller dans HTML5, vous n'allez pas voir grande différence, à mon avis. Hein <laughs> Mais, vous voyez, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus, comment dire, épuré. On a bien le header, le header qui comprend bien un menu navigation donc, je vous ai mis un petit accueil, photo, contact, histoire de faire un petit menu. Vous avez bien ici la section, vous voyez, avec les articles. Donc on a bien dans l'article, on a un paragraphe. Enfin dans la section, on a donc un, un, une balise article qui contient une balise paragraphe et ainsi de suite. Vous voyez. Euh, ici vous avez bien le site qui sera donc le, le petit groupe sur le côté qui permettra de mettre des publicités, des textes, du graphisme et ainsi de suite. Donc là, si on regarde, vous voyez sur la photo, bon, alors là pour l'instant, bien évidemment, rien n'est structuré. Mais euh, imaginons la photo, elle pourrait être sur le côté, donc à droite, et qui vous, qui peut, pourrait parler d'une publicité, tout simplement, ou d'un site internet que vous avez fait, un autre site dont vous voulez faire un petit peu de, de publicité, ou un lien, tout simplement, vers lui. Et ici, en dessous, vous avez bien évidemment le footer. Voilà, donc si je vous montre maintenant un exemple, on va aller ben, sur, par exemple, dans, ben, mon, mon portail Savoir pour tous. Hein. Donc ici on va aller dans le module graphisme et on va aller dans Apprenons Blender. Et vous voyez ce que je vous disais Ici on a bien donc on va dire le menu, d'accord Vous avez le header qui a le menu qui comprend, vous avez les différentes sections, vous pouvez mettre des photos, des images et ainsi de suite. Et ici vous avez ce qu'on appelle un, une balise ou un groupe Aside. Et vous voyez, là c'est j'ai bien défini mes derniers ajouts, on peut mettre de la publicité et ainsi de suite. Voilà, bon bah ben écoutez, je n'en dirai pas plus sur la structure HTML5. La prochaine leçon portera sur la couleur en CSS. Alors là, on verra un gros morceau parce que c'est très intéressant, on peut faire des très belles choses en CSS. C'est très important de comprendre parce que vous allez voir qu'on peut faire des belles nuances en couleur. Et nous, comme je disais la la fois, red, blue, green et ainsi de suite, croyez-moi, on peut aller beaucoup plus loin. Pareil, je vous donnerai des sites internet intéressants et ainsi de suite. Voilà, donc c'était la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye